La culture fait beaucoup défaut. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Stuttgart en mission. Le Seigneur est venu me visiter. Il m'a dit, je te donne à t'occuper de la culture européenne. Ensuite, il a commencé à m'enseigner vraiment sur la culture. Il m'a enseigné sur la culture sur deux choses. La première chose, c'est l'identité. N'est-ce pas? La culture est ce qui fait de nous ce que nous sommes sur le plan humain. Parce que dans la culture, on voit, il y a bien sûr des traditions, coutumes, tout ça. Il y a aussi l'éducation, les enseignements, la manière de, les mœurs, hein, la manière de vivre, de fonctionner, de manger, de s'alimenter, de s'habiller, tout ça. Donc, la culture est liée à notre identité. Notre identité est liée à notre culture. Aussi bien la culture française que africaine, arabe, tout ça. Et voilà. Et une des choses que le Seigneur fait quand il touche une personne, c'est la transformation par rapport à sa culture. C'est vraiment important. On a pu voir rapidement, on a parlé de Pierre. Pierre avait la culture comme un juif. Et quand le Seigneur est venu lui parler dans Actes 12, alors qu'il avait déjà reçu l'onction, et Pierre dira au Seigneur, je ne peux pas tuer ces animaux et les consommer parce que depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé ces choses. Voilà. Donc, à cause de sa culture, derrière ça, il y avait la loi de Mosaïque, mais ce qui a été mal compris, comprise. Et à cause de la culture, Pierre, pardon, a failli sortir de la vision du Seigneur. La culture. Si on prend sur le plan mariage, par exemple. Nous assistons, nous voyons dans la plupart de nos assemblées, des assemblées d'origine africaine notamment, ce qu'on appelle la dot, il y a la dot. Il y a encore des milliers de pasteurs qui vivent à l'étranger, qui sont en Europe, et qui prennent la dot, et qui enseignent la dot, et des chrétiens qui sont attachés à leurs coutumes par rapport à la dot, par exemple. Et je vous assure, c'est difficile quand c'est comme ça d'aller toucher d'autres peuples. Si on est confiné dans sa culture, c'est très très difficile. Et moi, ça fait mal. Ça me fait très mal de voir des frères et sœurs d'origine étrangère, africaine, qui ont la grâce. On a connu des serviteurs, des servantes qui avaient une telle grâce, une telle onction, une telle connaissance de la parole. Mais on a vu ces hommes. On le voit aujourd'hui finir mal, n'ayant laissé aucun héritage pour des générations présentes et futures. Tout simplement, quand tu vérifies bien, s'ils sont tombés, c'est toujours la culture. Et Satan est très fort, est très fort, hein. Donc Dieu est tout puissant, mais Satan est quand même fort, très fort, et il sait comment détruire les uns les autres par rapport à leur culture. Et c'est un ennemi tel, d'autant plus vicieux, hein, d'autant plus vicieux que on ne s'attarde pas dessus. Donc, je parle de la culture. On va beaucoup plus s'attarder sur les démons, tout ça, le péché. Et la culture, elle est là, et Satan s'en sert pour pouvoir détruire. Je prends un exemple du témoignage d'un frère, un pasteur, par exemple, qu'on mangeait, donc qui m'a partagé, ce qui m'a poussé justement à reparler encore de la culture. Donc, je vois vraiment que c'est vraiment le Seigneur. Il me dit, voilà. Je dirige une assemblée en Allemagne et nous partageons le bâtiment d'église avec des Allemands. Et nous, on a mis un panneau dessus, on a écrit Église africaine, donc en allemand. Et puis il dit, j'ai eu une vision où justement le Seigneur me disait, il s'est servi de ton image pour dire, voilà, donc en gros, si tu veux que tu utilises, tu dois changer ce nom-là. Parce que Dieu lui dit dans ce songe, que mon œuvre n'est pas que pour les Africains. Voilà. Donc je me suis dit, c'est bon, donc je crois que je vais reparler encore de la culture parce que ça nous concerne vraiment. Je parle aussi bien de la culture européenne qu'africaine et tout ça. Donc je parle de toute l'Afrique, donc Maghreb, tout ça. Je vous disais que dans la culture, il y a l'identité. D'accord? Ce qui fait ce que nous sommes, la culture fait que nous sommes ce que nous sommes. On va retrouver la culture bantoue chez les uns, la culture, si vous montez un peu, vous allez trouver en Afrique de l'Ouest d'autres cultures.
Et voilà, donc, donc, il y a l'identité, et deuxièmement, il y a la fonction. D'accord? Donc, l'identité, notre identité est aussi liée à une fonction. Dieu disait dans Jérémie chapitre 10, ce que je partage avec nous là, c'est vraiment le Seigneur qui me pousse à en parler. Je pense que vraiment prendre au sérieux ces choses, c'est vraiment capital. Ça va beaucoup nous aider. Jérémie chapitre 10. À partir du verset premier. Écoutez la parole de Yahweh, écoutez la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Yahweh. N'apprenez pas les façons de faire des nations. Et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. D'accord? Donc, d'autres disent la coutume des nations. Donc, la façon de faire. Dieu demandait à son peuple de ne pas imiter la façon de faire des nations. Et c'est là justement que nous sommes coincés là. C'est là que l'on est coincé par rapport à notre culture. Je parle de la culture humaine. Chacun connaît sa culture, chacun connaît les choses mauvaises liées à sa culture. Et si on prend juste, par exemple, la France, par exemple, plusieurs régions. Vous allez voir, en fonction des régions, il y a une culture quand même qui est là. D'accord? Donc, il y a une manière de faire, une manière d'opérer, de fonctionner. Si l'on prend la RDC, il y a 430 à peu près dialectes. Donc, et autant de. Il y a une culture qui est partagée avec tous, culture générale. Mais en même temps, chacun aussi a ses propres spécificités, tout ça lié à sa culture. Donc, et ça, je vous assure, quand l'évangile vient, Dieu veut nous donner une identité. Eh bien, souvent, on est. Voilà, ça coince. Ça coince. Ce qui fait que on reçoit l'œuvre, on reçoit l'appel, pardon, on reçoit l'onction. Mais quand on va vouloir matérialiser la grâce, matérialiser l'appel, eh bien, on va engendrer des personnes liées à la culture. En fait, on ne donne que ce que l'on a. Comme Paul disait. Dans 1 Corinthiens 15, le Seigneur le disait. Mais Paul le dit, je vous ai donné ce que j'ai reçu. Et une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a sorti, comme je vous disais, m'a demandé de quitter les assemblées qu'on a implantées, que j'ai implantées, de donner l'autonomie officiellement, c'est à cause de cela. Pourquoi? J'étais là, entouré de personnes. Elles n'étaient pas toutes mauvaises, attention. Mais liées, des personnes profondément attachées à leurs traditions, à leurs coutumes. À titre d'exemple, un couple est venu un couple est venu me voir pour me dire, voilà, il y a tel pasteur qui nous a appelés, il n'y a pas longtemps, qui est avec moi, et qui dit, voilà, je suis de votre tribu. Alors, il ne connaît pas ce couple. Donc, ne suivez pas l'onction, mais restez avec moi, donc on va marcher ensemble. Et ce couple qui vient de tomber sur le message était choqué en disant, mais toi qui es dans ce message depuis des années, tu es encore dans un raisonnement tribal, ethnique. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les gens ne veulent pas sortir de leurs coutumes et traditions? C'est grave. Et la repentance, comme on le sait, on le dit, on l'enseigne, métanoïa, tout ça, changement de mentalité, c'est facile de déblatérer les choses, mais c'est mieux de les expérimenter. Je veux dire une chose. Faisons le bilan, nous tous qui sommes ici. Tous, sans exception. Les assemblées que nous dirigeons, combien d'Arabes y a-t-il? Combien de Blancs y a-t-il? Combien d'Européens y a-t-il? Combien d'Indiens, tout ça, par rapport au message que l'on prêche? Combien de. Si on fait le bilan, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des soucis. Mais pourquoi? On nous dit que le royaume de Dieu est comme un filet qui est jeté dans l'eau, qui attrape toutes sortes de poissons.
Alors pourquoi il n'y a pas tout ça dans nos assemblées? Faisons le bilan. Mais le problème, c'est que les gens sont tellement dans la culture qu'ils se contentent de rester avec les gens de leur race, de leur culture. Et ce qui fait que, comme en Allemagne, les frères disaient, les pasteurs d'Allemagne, eh ben, vous allez trouver chez les Africains qui sont là-bas, qui sont d'origine congolaise, Brazza, Congo et Angola, vous allez trouver les Angolais, c'est des Congolais nés des Angolais nés au Congo et qui se retrouvent en Allemagne, ils vont chercher des Angolais, que des gens qui sont comme eux, pour être dans leur assemblée, créer leur propre assemblée. Et vous allez trouver ici des pasteurs, un pasteur camerounais par exemple, s'il est Bamileke, comme Bamileke, c'est que les Bamileke qui vont se retrouver avec. D'accord? Et on retrouve ça partout. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce ne sont pas forcément les gens que l'on enseigne. Le problème, ce sont les conducteurs, qui eux-mêmes ne sont pas délivrés de leur culture. Donc, ils engendrent des gens comme ça, attachés à leur culture. Comment vous pouvez expliquer que des gens qui se disent pasteurs, prédicateurs, ils sont là, vous êtes là. Ça va, Ancien Florent? Ça va, le sommeil? Ils sont là. Et quand il y a des mariages, là, ils sont les premiers à courir après la dot. Un évangéliste qui vient d'Allemagne me disait tout à l'heure, il a marié sa fille, il voulait prendre l'argent de la dot. Je lui avais dit que ce n'était pas correct, ce n'était pas, comment dire, un commandement, comment dire, néo-testamentaire, que ça c'était une tradition chez les Juifs. Et surtout, c'était que quand une vierge était déviergée, une femme vierge était déviergée, la dot de vierge. Je lui ai dit que ce n'était pas correct de prendre la dot, mais il a voulu quand même prendre l'argent de la dot. Et pendant qu'il dormait, il a vu, me disait-il, tout à l'heure, un cheval qui lui disait, voilà un voleur qui vend sa fille. Et il se réveillait, il a dit non, Dieu m'a parlé, je refuse. Il a refusé, mais il me disait quand même que sa belle famille lui disait quand même qu'on veut quand même donner l'argent quelques temps après. Il a dit non, donnez ça à ma fille et à votre fils. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et c'est des gens, cette belle famille, quand même des gens qui prient. Alors imaginez ces chrétiens-là. S'ils ont une fille et qu'un blanc cherche à l'épouser, alors imaginez maintenant le témoignage que nous rendons. On est là en Europe. Regardez comment l'Europe est en train de sombrer. L'Irlande vient de voter la loi qui autorise les mariages des homosexuels. Donc ça va prendre dans toute l'Europe. Regardez les Européens qui nous ont amené la parole, comment ils sont totalement dans la paganisation, complètement, merci pour le chewing-gum, complètement écartés de la voie du Seigneur. Et regardez maintenant, nous, que le Seigneur a attirés, c'est pas ça? D'accord. A amené ici avec l'Évangile. Et qu'est-ce que l'on fait? Ben, on s'accroche aux traditions, on s'accroche aux coutumes, tout ça là. Et comment voulez-vous que... Or, dans la culture, justement, dans certaines cultures, vous allez voir dans la culture africaine, et donc je parlais de l'identité, la fonction, mais je vais d'abord montrer les choses que l'on trouve dans la culture africaine. Il y a la passivité. Les gens ne veulent pas travailler. Tout doit leur tomber du ciel. C'est pour cela que vous allez voir qu'ils font beaucoup d'enfants. Des couples pour avoir des allocations. Dès l'instant où ils trouvent qu'en Europe, il y a des combines pour avoir facilement l'argent, eh bien, parce qu'on a beaucoup d'enfants, ils font des enfants. Je veux parler de la culture, hein, donc là, c'est quand même capital. Ça, c'est, si vous n'enseignez pas cette chose à vos chrétiens, aux gens que vous dirigez, eh bien, je vous assure, vous pouvez leur remplir leur crâne de versets bibliques et ça ne va pas changer. D'ailleurs, si on fait le bilan, on s'en aperçoit. Hein. On a des gens qui connaissent la parole, mais quand on reste sur le plan culturel, il y a beaucoup de failles. D'accord? La passivité. C'est pour cela que nous avons des gens, d'abord, on trouve des gens qui font beaucoup d'enfants, et tout ça, et ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et l'argent entre, l'argent entre, l'argent entre. Et ça va plus loin. Donc, il y a la passivité, et deuxièmement, il y a le mensonge. Nous sommes dans Jérémie 10, hein, donc voilà, n'imitez pas la façon de faire du peuple. Et le mensonge qui fait que si c'est un couple marié, ils vont déclarer, la femme va se déclarer femme seule. D'accord? Pour avoir des allocations, les avantages pécuniaires, tout ça, et tout, tout, tout. Donc, le mensonge.
La passivité est telle que quand on va même en Afrique, vous allez voir des gens qui travaillent qui travaillent à l'administration, ça glande. Très souvent. Pour avoir un papier, un document, il faut faire plusieurs. C'est-à-dire, même quand vous allez dans les ambassades ici, c'est le parcours du combattant. Vrai ou faux? Amen. La sœur qui dort un peu, je sais que vous avez fait toute la nuit. Tu veux un café encore? Tu veux un café? Ok, on va t'aider avec le café. Voilà. On veut vraiment l'enseignement qui. On va creuser, hein? Donc, c'est vraiment important parce que ça va nous libérer. Regardez, des gens qui prient. Pour épouser une sœur, on va te dire envoyer une lettre. On demande à l'homme qui veut épouser une femme d'envoyer une lettre. Si vous qui êtes pasteur, vous faites ces choses-là, vous avez besoin de la délivrance. Il faut être délivré. Je vous dis la vérité. Envoyez un courrier. Pourquoi vous compliquez la vie? Tradition. Coutume. Voyez? Donc, la passivité. On a amené cette passivité dans les assemblées. Quelqu'un qui reçoit un appel, alors que Dieu l'a réellement appelé. Il a vraiment une onction, la connaissance. Mais dans sa tête, bon, je ne veux pas travailler, entreprendre quoi que ce soit, et je veux vivre sur le dos des frères et sœurs. Ils prennent quelques versets bibliques pour dire, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Vous voyez sa culture? Donc, je vous dis, il a bien commencé cette personne. Au bout de quelques temps, il va tellement être dans les besoins qu'il va finir par modifier son message. À dire quoi? Eh bien, j'ai 3 ans de ma vie, j'ai travaillé pendant 10 ans, hein, je fais ci, je fais ça pour vous. Et la passivité. Moi, si je m'organise avec mon épouse dans les coulisses, je ne vais pas venir vous dire ce que nous faisons dans les coulisses pour pouvoir vivre. Chacun sa vie. Mais je veux dire, il faut que les gens comprennent ces choses-là. C'est important, la passivité. C'est pour cela que vous verrez que ils vont travailler ici en Europe, ils vont te dire, je vais travailler 1 an pour avoir le chômage par la suite. Vrai ou faux? La passivité, même dans la lecture, lire des ouvrages, lire un journal, ça n'existe, c'est rare. Vous voyez? Donc, c'est dans la culture. Et si on ne parle pas de ces choses-là, c'est pas avec le Jean 3,16 que vous allez être libéré de la culture, hein. C'est pas avec le racacacacacaca, recevez, 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 parce qu'on aime l'excitation. Ça, c'est de la culture, les émotions. On peut dire à son voisin, émotion. Vous allez voir qu'on a un problème d'enseignement dans les assemblées. Quand on veut enseigner en profondeur, les gens sont fatigués. Quand il faut maintenant commencer à crier, là, tout le monde est debout. C'est pour cela qu'ils aiment bien les ministères comme le combat spirituel. Quand ils prient, ils sont en train de marcher, ils crient. Si tu pries calmement, tu ne pries pas. Quelqu'un qui vient, qui enseigne doucement, il n'a pas l'onction. C'est pour cela qu'ils disent, oh, les blancs, ils n'ont pas l'onction. Dis à ton voisin, émotion. Alléluia! Est-ce que ça nous parle tout ça là? C'est pour cela que beaucoup meurent parce qu'ils veulent manifester une onction qu'ils n'ont pas. Je sens quelque chose, je vois quelque chose, je vois un démon. Non, tu ne vois rien. Sentiment, émotion. Nous acclamons le Seigneur pour ta parole, frères et sœurs.
Tu le reçois chez toi, ils se mettent à prier, tu as envie de leur dire, taisez-vous parce qu'il y a les voisins. Hein? C'est pas possible. Les émotions sont telles que même quand ils prennent le bus, le transport, ils parlent fort et tu as envie de te cacher. Ils font abstraction de tout ce qui sont autour, ils sont les seuls au monde et ça parle fort. Ça, la culture. C'est pour cela que vous verrez que ces églises-là sont des boîtes de nuit. Il y a plus de chants que le chant. Chant, danse, transpiration. En fait, au fond, il n'y a rien. Vous leur dites, qu'est-ce qu'il y a eu comme enseignement? Ah, c'était fort. Mais qu'est-ce qu'on a enseigné? Non, mais c'était terrible. Il fallait être là. Ah, tu as raté. Voyez, on se retrouve, hein. Maintenant, comment voulez-vous que l'œuvre se fasse? Tu donnes un micro à un frère pour intervenir. Tu lui dis 20 minutes. À cause des émotions, à cause de la culture. Hein? Ça aussi, il y a les Européens qui font ça. Ils vont vouloir à tout prix aussi démontrer la parole de connaissance. Pour lui, le peuple, c'est comme si le peuple le dit, il faut que tu nous fasses respirer. Et le frère qui prend le micro, il se perd dans tout ce qu'il dit. Il ne sait même plus d'où il vient et où il va. D'où il vient, où il est et où il va. Il ne sait plus. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que les gens acclament pour dire, ça y est, c'est bon. Là, je suis nourri. Mon orgueil prend un coup, là. C'est bon, là. Enfin, pas prendre un coup, mais mon orgueil est nourri. Et c'est grave. Vous vous rendez compte? Donc, le message qui vient doit changer notre... Parce que l'identité, là, c'est aussi le caractère. Que la culture, là, c'est façonne notre caractère. Et ce qui touche les gens, ce qui amène la transformation, les gens s'arrêtent seulement au niveau de l'onction. Ce qui amène aussi la transformation chez les autres, c'est le caractère. D'accord? Vous allez voir quoi? Il y a l'appel. Il y a la vision. Il y a l'onction. Donc l'autorité, tout ça. Et ensuite, il y a le caractère. Et l'argent vient vraiment à la dernière position. Les gens ont reçu un appel, parfois puissant. On en a vu chez nous, même ici. Ils ont reçu une vision terrible. Des objectifs à atteindre. Dieu leur a dit, tu vas faire ci, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Ça, c'est clair, Dieu a parlé. Troisièmement, ils ont reçu l'onction. Personne ne peut le nier. On a vu, on voit ces hommes et ces femmes manifester l'onction. Chasser les démons, prier pour les gens et Dieu les guérir. Mais au niveau du caractère, là, ça a coincé. Dans quel sens? C'est quoi le caractère? Le caractère ici, hein, c'est un rapport avec la culture. Avec l'identité du messager, l'identité de la messagère. Parce que quand Dieu vient toucher une personne, l'une des choses que Dieu fait, en premier lieu, c'est l'identité. Il nous donne une identité. Il fait de nous des fils et des filles. L'épouse de Christ. La maison de Dieu. Ça, c'est l'identité. Notre identité. Le caractère. Et le caractère, justement, a un rapport avec notre identité. L'identité a un rapport avec la culture, nos traditions. Je vous disais tout à l'heure, un pasteur qui travaille en Europe,
Et qui ne cesse d'appeler tout le monde, toutes les filles, mes filles, mes filles, mes filles, mes filles, je vous assure, à cause de la culture, il va faire fuir les Européens, il va faire fuir les Arabes, il va faire fuir les Indiens, il va faire fuir les nations, parce que les gens n'ont pas cette culture-là. Paul disait quoi? Avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Les gens vont fuir. Dans la culture, dans l'identité, le caractère, on voit aussi le langage. Le langage. Les gens viennent à ton assemblée, toi-même qui es le dirigeant, là, tout ça, là, tu ne fais pas un effort pour parler correctement le français ou l'anglais ou l'arabe, peu importe le pays où le Seigneur t'a, dans le pays où le Seigneur t'a envoyé. Si tu ne fais pas un effort pour apprendre la langue, comment veux-tu communiquer correctement avec les gens? Donc, on revient encore à la passivité. Les gens ne veulent pas prendre un dictionnaire pour travailler la langue. La dernière fois où tu as pris un dictionnaire français, ça remonte à quand? Toi, dans ta vie, il n'y a que la Bible. Pourtant, plus la Bible, tu l'utilises mal. Alors qu'il y a aussi le langage, comment parler avec les gens. Tu lis la Bible, mais ensuite, tu vas voir les gens, non? Mais les gens, tu vas les voir comment? Il faut véhiculer le message. Mais comment? C'est le langage. Là où il faut dire le, tu dis là. Déjà, ça choque. On dit, mais il a un problème, ce monsieur-là. C'est dans mon pays, tu ne veux pas apprendre ma langue, tout ça, là, ça, ça. Imaginez, tu vas voir, un frère me disait quand on venait de la Hollande avant-hier, il disait, il est en Belgique, il parle correctement le néerlandais, il disait que lui va voir des Belges dans leur village, hein, donc tout ça par rapport au travail qu'il fait, et à chaque fois qu'il parle leur dialecte, les gens sont interpellés, sont touchés. Donc dans un premier temps, quand ils voient un noir qui arrive, ils sont un peu réfractaires, et quand ils commencent à parler, ils se disent, waouh. C'est important, c'est le moyen de communication, c'est le moyen pour atteindre les gens. C'est important. Dieu utilise ces moyens-là. L'Église est née comment? Avec 120 langues. C'est des moyens pour véhiculer le message. Mais maintenant, toi le messager, toi qui as reçu l'appel, toi qui as reçu la vision, l'onction, le caractère, si tu ne travailles pas, si tu es passif, si tu es dans l'oisiveté, eh bien, tu ne peux pas atteindre les autres. Moi, jusqu'à ce jour, je prends encore le dictionnaire pour bosser, pour travailler. Beaucoup de chrétiens, tu prends un pasteur aujourd'hui africain, excusez-moi du terme, même européen, c'est beaucoup. Hein. Tu le prends un pasteur tel qu'il est formaté par la religion aujourd'hui. Tu le prends, 15 ans après, il a le même discours, dans le sens où il n'y a pas d'évolution. Voyez? Il n'y a pas de culture générale. Ensuite, l'identité t'amène à une fonction. La fonction, bien sûr, c'est il y a plusieurs fonctions. On en a parlé ce matin. Apôtre, prophète, docteur, tout ça. Donc, tu rentres dans une fonction automatiquement. Peu importe le travail que tu fais, mais tu es dans une fonction. Tu exerces une fonction. Et dans toute fonction, ben, quand on exerce une fonction, on est amené à parler avec les gens, à voir les gens. Et c'est là, justement, mes amis, que ça coince. Le mensonge, ton téléphone sonne, par exemple, tu vas dire à ton enfant, dis, papa n'est pas là. Mensonge. Et dans la culture, ça passe, hein, donc il n'y a pas de problème. Ça passe. Voilà. Je te rappelle dans 5 minutes, tu rappelles 4 heures après. Mensonge. Moi, il y a des gens, quand j'ai rendez-vous avec eux, je sais pertinemment qu'ils ne seront jamais à l'heure. Je me rappelle encore à l'époque, je m'énervais tout le temps. Quand j'avais une réunion avec des pasteurs que j'ai formés, je fermais la porte. Quand c'était 10h, 10h, 5, pile, je fermais la porte à clé. Et ceux qui venaient, je leur disais, rentrez chez vous. Discipline. Comment voulez-vous toucher les gens si vous-même vous n'êtes pas éduqué, discipliné? Dans la culture, la passivité, l'argent, on demande l'argent facilement. Un dirigeant ne doit pas demander l'argent n'importe quoi. Moi, je vois des frères qui viennent, tu n'as pas 50 euros. Non, mais attends, je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ta banque. Je parle de manière globale. Hein. J'ai connu ça. Vous savez ce qui a fait tuer les gens ici, là, frère? Je vais vous aider. Ce qui a tué beaucoup, c'est ça, là. J'ai vu des femmes de dirigeants demander l'argent facilement. Il y a la femme d'un dirigeant que j'ai formé hier qui est venue un jour. C'était lors d'une réunion ici.
Elle va voir un frère, elle dit, t'as pas 20 euros pour acheter un KFC? Le frère dit, j'ai pas. Elle va voir un deuxième frère, t'as pas. Donc le premier frère à qui elle est partie voir, elle a demandé 20. Le frère dit, non, j'ai pas. 10, j'ai pas. 5, j'ai pas. 1 euro, j'ai pas. 50 centimes, j'ai pas. Elle sort de là-bas, elle va voir un deuxième frère, la même chose, j'ai pas. 50 centimes, j'ai pas. Troisième frère, et la quatrième personne, c'était moi. Je ne savais pas qu'elle avait déjà été voir tout ce monde. J'avais 20 euros, j'ai donné. Et à la fin, on vient me voir pour me dire, voilà ce que la sœur a fait. Je prends le téléphone, j'appelle cette femme. Parce que moi, quand j'entends quelque chose, je vérifie, j'appelle. J'appelle, je tombe sur son mari, je lui dis, ta femme est là? Oui, mets-le au parleur, s'il te plaît. Est-ce que tu as demandé l'argent à telle personne? Oui. À telle personne? Oui. Je lui dis, ça, c'est la cupidité, c'est du vol. Tu vas détruire le travail de ton mari et ton propre travail. Mais vous savez quoi? Ils ont dit, oh, okay. Ils ont essayé de se justifier. C'est toujours la culture, la justification. Et ensuite, l'orgueil. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de mourir. Fini. Ça prêche, il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'onction. Dieu a enlevé tout. L'orgueil. Frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander quand on a des problèmes. Je pense que dans la culture, il y a tellement la passivité que les gens, quand ils entendent seulement qu'il y a 100 000 euros sur le compte, toutes les antennes, tout est, je vous assure, j'ai connu ça. Tout se dresse, mais je vous dis la vérité. Vous savez, on rigole, hein, mais le problème, c'est que beaucoup vont finir encore comme ça. Oh, je parle. Hein. Ça va très, très loin. Je vous dis une chose. La foi, c'est quoi? Tu as une mission que Dieu t'a mis à cœur, un projet. Plie les genoux. Apprenez d'abord à dépendre de Dieu avant d'aller demander ici. Vous voulez aller plus loin avec Dieu? Pliez les genoux, Seigneur, tu me mets à cœur d'aller dans tel endroit. Si c'est ta volonté, que je puisse avoir de quoi faire cette mission-là. Tu verras quelqu'un viendra te voir pour te dire, voilà, je ne sais pas, mais Dieu me disait de te donner ça. Est-ce que vous comprenez? Et là, tu vas témoigner, oh, vraiment, Dieu est magnifique. Si vous n'apprenez pas d'abord à dépendre de Dieu, vous allez demander ici et là, l'esprit de cupidité qui frappe les gens facilement, là, ça va vous frapper. Et frères et sœurs, j'ai tellement foi en Dieu que, vous savez, on est là, j'ai des frères et sœurs, je sais qu'il y en a qui gagnent bien leur vie, mais ils ne vous diront jamais que je vais te voir là pour dire non, ce mois-ci c'est compliqué, donnez-moi. Vous êtes là, hein? Il y en a qui soutiennent depuis tout le temps. Mais vous ne verrez jamais venir me voir pour dire donnez-moi, donnez, donnez, donnez. Parce que je sais une chose, un homme de Dieu qui n'a pas de caractère, qui ne dépend pas totalement du Seigneur, qui n'expose pas ses problèmes au Seigneur pour que Dieu touche les cœurs, un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui commence à agir comme ça, il est en train de creuser sa propre tombe. Parce que vous risquez de recevoir de l'argent sale qui va vous détruire totalement. Ah. Moi, j'avertis à chaque fois. Hein. Je suis allé prêcher en Suisse, on m'a donné 1400 euros. Il n'y a pas longtemps. Dieu m'a dit, tu ne touches pas cet argent-là. Je dormais comme ça la nuit. Là. Le Seigneur est venu me voir. Quelqu'un disait, oh, cette onction, cet argent qu'on a donné, on va avoir l'onction. Dieu me dit, voilà, ils veulent acheter l'onction. Tu ne manges, tu ne prends pas cet argent. Prisonnier dans un pays africain, je leur ai envoyé. Dans un autre pays, pour les orphelins. J'aurais pris cet argent, ça aurait tué l'onction que ça m'a donnée. Comme l'argent a détruit l'onction de beaucoup de gens que j'ai formés ici, comme vous le savez. Et beaucoup d'autres pasteurs ici et là. Vous êtes jeune, vous êtes moins jeune, vous voulez aller loin avec le Seigneur, si vous n'êtes pas libéré de nos cultures. Je vous assure, mes amis, il y a des piles pourtant. Et je parle de ça en pleurant. J'ai vu des gens que j'ai formés à cause de la passivité, à cause de la culture. Ils avaient l'onction, ils avaient le message. Ils ont commencé à s'associer avec des frères et sœurs de l'Assemblée qui ont des entreprises pour travailler ensemble. Je les ai avertis en pleurant. Ils n'ont pas écouté. Ils ont dit, j'étais jaloux d'eux. Aujourd'hui, ils sont morts.
Un homme de Dieu, un homme qui est un messager, ne peut pas aller faire des travaux chez un frère pour qu'on lui donne l'argent. Il commence à sortir. Mais quand on dit ça, on dit qu'il est dur. L'éthique, la déontologie manque à beaucoup. L'éducation. On reçoit la connaissance, mais il manque l'éducation. Vous savez, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la dernière lettre de la Torah, c'est le fouet. C'est la dernière lettre. La Mède. La Torah, les cinq premiers livres. Le dernier livre de Deutéronome finit par Israël. La dernière lettre d'Israël, c'est la Mède. C'est le fouet. C'est la lettre qui est au-dessus de toutes les lettres. Elle surpasse toutes les lettres. C'est la question, c'est Rabbi. C'est le docteur. C'est l'enseignant. C'est l'instruction. Et ça manque. L'instruction, c'est la correction. C'est reprendre quelqu'un. C'est corriger en reprenant la personne parce que ça va l'aider à se maintenir dans la vie jusqu'à la fin. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit que la connaissance t'élevera. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas les choses. Tout est mélangé dans la tête des gens, des uns des autres. Alléluia. Ça va? Vous voulez qu'on ouvre un peu les fenêtres là? Pour ceux qui dorment là? On ouvre un peu les portes en même temps si c'est possible. C'est bon. On peut reprendre? Ok. Donc, la passivité. Vous allez voir que des gens, ils vont travailler dans l'œuvre. Ils vont commencer une œuvre, une église. Au bout de 2-3 ans, ils vont vouloir tout de suite manger. Voyez? Ils sont passifs. Ils ne vont pas se dire, on va travailler même pendant 20 ans, 30 ans. Et ils vont travailler pendant quelques temps et puis ils vont commencer. L'argent qui rentre comme ça là, pour la mise, pour l'œuvre, ils prennent ça pour eux. Vous allez voir qu'eux, ils sont plus riches que l'œuvre de Dieu. Alors que c'est le contraire qui devait se faire. L'œuvre devait être plus riche que leur propre vie, que leur vie personnelle. D'accord? Et ce n'est pas correct qu'un homme de Dieu, qu'ils aient deux voitures, une pour sa femme, une pour son mari, bon, pour le mari, ok. Mais avoir trois véhicules pour un couple, ça c'est la sorcellerie. Alléluia! Amen! On peut acclamer la parole de Dieu, frères et sœurs. Ça c'est la sorcellerie. Et tu vas voir un parc automobile, mais ça, c'est plus Dieu, ça. Non. Il y a des missionnaires qui n'en ont pas. Voilà. Alléluia. Autre chose que l'on voit, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Frère, écoute, je te dis que tel frère a parlé mal de toi, mais ne dis pas que c'est moi qui te le dis. C'est-à-dire, c'est le mensonge déjà, et tu veux me faire mentir. Non, frère, je te dis voilà ce que tel frère a dit. S'il nie, dis-lui que je viens me voir, je témoignerai. Je témoignerai. Tu viens me voir pour dire qu'un tel est sorcier. Je dis, ah, d'accord, pas de problème. Mais le concerné n'est pas au courant. Mais, tu vois pas qu'il y a un problème? Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre toi et lui. Oh, la réforme. Oh, la réforme. Est-ce qu'on est réformé? Non. Pourquoi on dit non? Non, parce que je ne veux pas des problèmes. Le problème, c'est que dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu as invité les problèmes.
Le problème, c'est que vous avez plus, à cause de la culture, plus peur des hommes que la crainte de Dieu. Donc, un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Voilà, à la base, c'est ça, dans le grec. C'est des comédiens, ce sont des comédiens. On ne dit pas les choses ouvertement. On ne dit pas les choses clairement. Moi, je vois des gens qui viennent, ils te saluent, ils se courbent. Mais quand ils tournent le dos, je sais, l'hypocrisie. Et ça, c'est dans la culture. Hein. Je vous assure, mais il n'y a pas pire que l'hypocrisie. Là. Quand j'apprends quelque chose sur quelqu'un, qu'est-ce que je fais? J'appelle. J'appelle. Ceux qui me connaissent, j'appelle. Voilà, j'ai pris ça. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà, il y a ça, 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 ça. Parce que tu ne peux pas voir la personne faire semblant que tout va bien, alors que dans le cœur tu penses autrement. Mais il y a un problème. On est de la lumière. Et l'hypocrisie bloque l'onction. L'hypocrisie empêche le réveil. Et dans la culture, hein, dans nos cultures, là, on ne veut pas dire les choses parce qu'on dit on ne veut pas des problèmes, il ne faut pas le dire. On a la culture du secret. Oh, je ne veux pas de problème. Le problème, c'est que vous avez des problèmes avec le Seigneur ensuite. Quand l'onction vient, trouve ces choses-là. Oui, tu peux prier pour les gens, ils peuvent tomber. Mais je parle de l'onction qui t'amène à percer. Il n'y a rien. Et ensuite, quand quelqu'un commence à percer, on est les premiers à dire, oh, ce sont les idolâtres. Ah non, on n'est pas idolâtres. Le problème, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger non plus, quoi. Ah non. Je parlais hier à la télévision ou avant-hier, hier soir, je crois. Dieu, dans Sophonie 2, disait qu'il allait transformer les langues des nations pour leur donner des langues pures. Un messager qui n'est pas, mes amis, capable de dire la vérité, de dire oui, je dis telle chose. Nous sommes allés chez vous à Niort. J'ai dit à un pasteur quelque part, je dis, ton collaborateur est un sorcier. On se retrouve quelques temps après à Niort avec ce collaborateur, avec ce pasteur. Vous étiez là? Il a dit devant moi. Moi, tu as dit justement parce qu'il est allé me balancer. Je lui ai dit, mais moi, tu ne me balances pas parce que je dis les choses partout, tel que je le dis, tel que Dieu me le donne. Il me dit, bah, tu as dit que justement mon collaborateur était sorcier, tout ça. Là. Et le collaborateur plutôt m'a dit, ouais, le frère, le pasteur a dit que tu as dit que je lui ai dit, bien sûr. Bien sûr. Ben, où est le problème? Oh non, mais c'est vrai que ma copine, tout ça, était dans la sorcellerie, elle a voulu m'initier. Je dis non, c'est pas qu'elle a voulu. Voilà. Repends-toi. Le problème, c'est que nous, on va commencer à se justifier. Mais en fait, c'était pas dans ce sens-là. Mais attendez, pourquoi vous mentez comme ça, là? Et on vient me voir, frère, on va faire un programme. Arrêtez, arrêtez. Arrêtons l'hypocrisie. Globalement, les Français te disent les choses en face. Il y a l'hypocrisie aussi. Mais en général, il y en a, en tout cas, les Allemands, pareil, ils te disent, si tu n'aimes pas, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Voilà. Vrai ou faux, vous qui êtes Allemands là-bas. Voilà. Nous, on va dire, mon frère, ma soeur, bisous. Dans le cœur, on pense autre chose. Changeons ça. Alléluia. Ok. Donc, si on est libéré de la culture, on est libéré de cette identité, alors on va revêtir notre identité véritable. Et là, si on revêt son identité véritable, on va correctement exercer sa fonction. Si vous voulez que je vienne chez vous prêcher, mais si vous-même, vous n'êtes pas capable de changer des choses à changer, ça ne sert à rien. Les âmes vont venir, c'est pour rester là-dedans? Non. Ça sert à rien, vous allez les tuer. Les âmes vont venir, elles vont commencer à se dire, ce frère collabore avec de telles personnes. Je dis non, je ne veux pas me suyer. Non. Chez nous,
Beaucoup de, il fut un temps où, à l'époque où j'étais pasteur, beaucoup de Français de souche venaient, des Blancs venaient. Et je le voyais partir ensuite. Il y en a qui m'ont dit, il faudrait que tu quittes Paris, que tu viennes chez nous, parce que là-bas, Paris, c'est n'importe quoi. Il y a telle personne qui m'a demandé l'argent, tel pasteur qui veut me voir pour me parler de ses problèmes de finances, tel autre pasteur. Donc je me suis dit, mais ces Africains ne font que ça. D'ailleurs, Sylvain me disait, tout à, en province, beaucoup de Français aussi disaient, mais comment Chora qui prêche ce message peut collaborer avec tels individus? Moi, je ne voyais pas à l'époque, je ne suis pas Dieu. Les gens te montrent un visage. Quand tu tournes le dos, ils montrent leur vrai visage. Donc, ils étaient des bishops devant les frères et sœurs. Ils vont demander l'argent aux frères et sœurs. Ils vont appeler, prendre le téléphone, appeler un Européen à 23h. Mais ça ne, ça, chez eux, ce n'est pas comme ça. À moins qu'il y ait une urgence. Donc, il y a toutes ces choses-là, les gars. Il y a une éducation, il y a une déontologie. C'est tout ça. Frère, moi je partage ça depuis les années. Hein, les gens ont dit non, mais il exagère quand même. Le problème, c'est que quand vous faites le bilan, là, commencez votre appel. Là, soyons sincères. Vous allez remettre toujours sur le dos des autres que si ça pas a été, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Mais moi aussi, j'ai des. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez des combats plus que moi? Mais regardez tout ce que Dieu fait. Je vous ai dit non. En 2 ans et demi, le Seigneur a donné, on l'a vu ce matin, 470 000 euros. En moins de 2 ans et demi. 100 dîmes. Plus de 3000 baptêmes en moins de 3 ans. Des guérisons, n'en parlons pas. Mais vous voyez qu'il y a un problème. Vous direz, ouais, c'est son appel. Non, mais frère, écoutez, on baigne dans la même onction. Et il y a un moment donné, il faut savoir se dire, asseyons-nous, hein, et faisons le bilan. Où est-ce qu'on n'a pas réussi? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Si vous n'êtes pas assez humble pour reconnaître aussi vos failles, vos manquements, vous allez échouer de nouveau. Ça remonte à Adam. Adam, pourquoi tu fais cela? Dieu, c'est pas moi, c'est toi. Tu m'as donné une femme. Femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est pas moi, c'est le serpent. Et le serpent n'avait personne. Voilà. Alléluia. Dis à ton voisin, change. Il ne pouvait pas dire sur le crapaud, hein, parce que. Là, c'est... Parce qu'on nous dit que c'est lui l'auteur du péché. Donc, voilà. Alléluia. Frère, oui, tu as dit que tel ton collaborateur n'est pas droit. Mais quand on fait une réunion maintenant pour dire les choses clairement, mais dites les choses clairement. Pourquoi dire dans les coulisses, non mais je ne voulais pas l'humilier, menteur. Menteur. La Bible appelle ça mensonge. Je ne peux pas dire le contraire. Non, il faut quand même la... Non, quelle sagesse. Parce que pour beaucoup d'Africains, quand on parle clairement, il n'y a pas la sagesse. On dit, le Chora parle beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que vous êtes hypocrite. Voilà. Il parle beaucoup, il s'énerve facilement. Le problème, c'est que vous êtes hypocrite. C'est ça le problème. Quelqu'un veut le mariage pour écrire une lettre pour le mariage. Ça prend un an parce qu'il faut voir le grand frère, le petit frère, la tante, l'oncle. Ça fait le tour du monde entier. Un an pour écrire une lettre pour une femme. Vous voyez, frère, la passivité, dis à ton voisin, sorcellerie. Moi, même dans ma famille, tout le monde prend. Hein. Il n'y a pas de sentiment, frères et sœurs. Alléluia. Ah oui. Et quand l'enfant va tomber le péché, on dit non, impunicité. Mais oui, mais vous ne facilitez pas la tâche. Complication sur complication, culture. Les gens croient que la réforme, c'est de grandes révélations que Dieu donne. C'est des choses simples comme ça, là, mes amis, le changement. Ah oui. Tu veux aller loin, mais la culture te rattrape. Tu veux aller loin, tu as le message, mais la culture t'attache. Et Dieu pleure. Parce qu'il dit, je leur ai donné la parole pour sauver l'Europe, pour partager ma parole aux Européens. Et à cause de la culture, eh ben, on tourne vers, hein, ses propres compatriotes et il n'y a rien à faire, rien à faire.
Moi, je vois des frères, parfois, on a une nuit de prière, ils viennent en costume et cravate. Nuit de prière. Chacun est libre, c'est vrai, mais c'est très culturel. L'Européen vient en basket, jean, mais nous, ça, c'est pas possible. L'homme, quand même, l'homme. Vous vous rendez compte de la mentalité? Le 19 décembre 2012, j'ai vu un pasteur débarquer de province en costume et cravate. Je dis, celui-là, là, il est, et ça n'a pas tardé. Celui-là, là, c'est même pas la peine. C'est très, on le pressent, ces choses-là. Vous êtes là, jeune, oh, l'onction vous a touché. Vous vous mettez à prophétiser devant les voisins, chez les voisins, vous criez. Mais les blancs, vous allez leur faire peur. Frère, la salle, l'intelligence, l'éducation. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, de confusion. Vous prêchez dans le train. Commencez d'abord par vous excuser. Excusez-moi, messieurs, dames, si je vous dérange, mais j'ai quelque chose à vous partager. La manière de... C'est, vous venez comme ça. Allez, l'enfer. Allez. Les gens disent, mais attends, mais tu prends pour qui, là? Vous criez dans le train, vous commencez à tomber sous l'onction dans le train, vous n'avez même pas de maîtrise. Ce n'est pas étonnant si on vous pique pour vous amener chez les fous. Hein? Tout ça, vous dites, c'est l'esprit. Et les blancs disent, c'est ça l'esprit, on ne veut pas vous ressembler. Voilà. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Vous êtes là, vous êtes missionnaire. Vous ne savez même pas, vous savez, d'abord, l'identité, ce n'est pas qui tu es, tu ne sauras pas ta fonction. Qui tu es et qu'est-ce que tu veux pour toi? Quelle fonction? Tu es là, tu es en Europe. Toi, tu t'habilles seulement en pagne, boubou tout le temps. Mais tu sais que, je vous dis la vérité, mais c'est... Côtoyez un peu les blancs là, vous allez voir mes amis. Je suis allé en Martinique, je me suis mis en boubou. On m'a dit, frère, si tu veux gagner les gens ici, enlève ton boubou. Alléluia. C'est important. Dieu pour nous sauver, n'est-il pas devenu un homme? Voilà, il nous a montré l'exemple. Seigneur, sauve-nous. Le problème, c'est qu'on vit en Europe, mais l'esprit est en Afrique ou à l'étranger. Donc du coup, quand Dieu vient, quand l'onction vient, il y a des gens ici, Dieu a prévu une grande onction pour leur vie, mais à cause de leur culture, l'onction est donnée à d'autres personnes. Je vous dis. Il y a la notion de la chefferie en Afrique, les chefs. Les chefs ne quittent jamais le pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, là, c'est à vie. Voilà. Même quand ils ont la nuit de Parkinson, tout ça, là, ils sont toujours au pouvoir. Ici, même la culture européenne nous enseigne. Vous voyez, Chirac, il est dans son coin, il a fini ça. Il est dans son coin. On peut le consulter pour avoir des conseils. Vous voyez, maintenant, c'est le temps de Sarkozy, d'autres personnes. Mais chez nous, jamais! Au Sénégal, à 90 ans, il voulait toujours rester au pouvoir. Mugabe, 90 ans, toujours là, accroché. C'est plus qu'il y a. On le gère parce qu'il y a des intérêts tout autour, des gens qui lui disent, tu ne bouges pas d'ici. Nous, c'est la même chose. Bouteflika en Algérie. Oui, ce n'est pas seulement les Noirs, hein, c'est l'Afrique. Alléluia. Vous voulez qu'on parle encore de la culture, frères et sœurs? Bouteflika, il est malade, non? Mais on fait des piqûres, tout ça, la fauteuil roulant. Président. Et on retrouve ça dans les assemblées. Je pose la question, frère, ça fait combien de temps que tu es pasteur? Moi, ça fait 5 ans. Et tu es toujours pasteur? Oui. 7 ans, toujours pasteur. 10 ans, toujours pasteur. Il y a un problème. Frère, vous vous rendez compte à quel point la culture influe sur nous?
Quand on était dans le système religieux, baptiste, il y a 27, 30 ans de cela, je me rappelle encore très bien, les pasteurs, ils faisaient 3 ans, tous les 3 ans, on les déplaçait. Il y avait le bâtiment d'église, à côté, il y avait la maison pour le pasteur. Et rappelez-vous bien, tous les 3 ans, chez les baptistes et pentecôtistes, tous les 3 ans, on les déplaçait. Parce qu'ils avaient compris que si un homme reste pour plus de 3 ans au sein d'une église locale, à la tête d'une église locale, qu'on le veuille ou pas, mes amis, bibliquement parlant, qu'on le veuille ou pas, cet homme-là va empêcher les autres. Vous me direz, mais comment? C'est spirituellement qu'on en juge. Le fait que tu sois pasteur, que tu restes sur place tout le temps, depuis toutes ces années, sans te rendre compte, tu as l'autorité. Il y a quand même des gens qui ne vont pas vouloir faire certaines choses par peur, parce que tu es là. Il faut le savoir. D'accord? Il y a des gens qui ne vont pas oser certaines choses parce que tu es là. Donc, ils sont en même temps étouffés. Mais si tu bouges, tu vas apprendre qu'il y a tel frère, comment Dieu l'a utilisé quand tu n'étais pas là. Regardez ces choses-là. Rappelez-vous bien quand vous bougez comme ça. Là. Il y a telle sœur, telle personne. Ben oui, c'est normal. Parce que ta présence, ton autorité, là, tout ça, là, écrase un peu. C'est pour ça que Yeshua disait, 3 ans après, hein, il dit aux apôtres, je m'en vais et je vous laisserai auprès de quelqu'un d'autre. Et quand il est parti, regardez ce qui s'est passé avec les uns et les autres. Ça fait partie du message, tout ça, là. Les saisons. Établi, préparé, bougé. Mais à cause de la culture, on va rester sur place. Il y a la culture par rapport à nos pays, la culture par rapport à la religion catholique avec la papauté. On va rester sur place. On va rester sur place à vie et on va détruire sans se rendre compte l'œuvre que tu as. Tu vas détruire l'œuvre que tu as commencée. Parce qu'au bout de 3-4 ans, tu vas commencer à faire des erreurs, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Et comme il n'y a personne pour te dire certaines choses, les erreurs vont s'accumuler et tu vas commencer à détruire. À détruire. Et Dieu veut une transformation radicale. Dieu veut un changement radical. Dieu veut, en cette génération, hein, nous sommes dans une saison très particulière. Je vais vous partager quelque chose rapidement. Allons voir dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Pardon, chapitre 2. Le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. D'accord? Nous avons ici le premier écrit qui a été envoyé. C'était à l'église d'Éphèse. Je vais vous partager ce message qui est prophétique par rapport à notre temps. Donc, nous avons la première écriture, c'est Éphèse. Et deuxième écriture, nous sommes au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. D'accord ? Troisième écriture. Verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Éphèse, on a dit quoi ensuite? Pergame. Thyatire.
Ensuite, Laodicée. Alors, la dernière fois, j'en ai parlé rapidement la dernière fois, la veillée. J'étais en train de. Parce que souvent, quand le Seigneur m'enseigne, c'est pas forcément quand. En fait, quand j'ouvre la parole seulement pour commencer, à peine que je commence à lire, là, il commence à me parler en même temps à l'oreille. Il me dit, regarde. Et j'ai donné sept écritures à cette église d'Apocalypse. On parle de l'église, on parle de cette église, bien sûr, c'est l'ensemble de, hein, de chrétiens, l'ensemble de la chrétienté. Dans cette chrétienté, n'est-ce pas, vous avez des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Depuis la naissance de l'église jusqu'à nos jours. D'accord? Et Dieu a donné cette lettre qui constitue bien sûr l'évangile dans son absolu. D'accord? Donc l'évangile dans son absolu. Parce que vous verrez que dans chacune de ces lettres-là, il y a, n'est-ce pas, des doctrines que l'on retrouve dans toutes les Écritures, même dans Genèse. Parce qu'on nous parle de l'arbre de vie. On retrouve ça dans la Genèse. Donc voyez bien que les sept lettres, qui sont les sept Écritures, c'était les lettres de rouleau qu'on avait envoyées. Et il y a comme ça. Ces sept lettres représentent toute la Bible. D'accord? On retrouve l'arbre de vie. On retrouve, comment dire, un roi, 17, 18, 19, donc Jézabel. On retrouve, comment dire, Balaam, donc on retrouve le livre de Nombre, tout ça. Donc vous voyez, on retrouve toute la Bible dans ces sept lettres. Ce que Dieu m'enseignait. Et il me dit, c'est ce que j'ai donné depuis, n'est-ce pas, depuis le commencement, depuis Moïse, qui est le premier écrivain parmi les hommes. Ce que je donnais depuis, n'est-ce pas, la naissance de l'Église. Avec Paul, on retrouve dans les sept lettres les écrits de Pierre. On retrouve dans les sept lettres les écrits de Jacques, qui parle des œuvres. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Donc, ouais, on retrouve Jacques. D'accord? Et on retrouve, mes amis, les écrits de Matthieu. On retrouve le livre de Jean, parce que Jean a révélé l'agneau. D'accord? Donc, voilà. On voit l'agneau également là-bas. On retrouve Ézéchiel. On retrouve toutes les écritures. On retrouve Daniel. Et Dieu me dit, j'ai donné ces lettres-là à ces églises, mais elles ont beaucoup parmi ces chrétiens n'ont pas voulu le changement, n'ont pas accepté le changement, n'ont pas voulu se conformer à ma parole. Bien sûr, ils ont préféré leur tradition, leur coutume, comme le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions et de vos coutumes que vous avez établies. Après avoir donné ces sept lettres, donc les écritures à ces églises, Dieu vient. N'est-ce pas? Vous vous rendez compte qu'il donne les Écritures, il donne ses livres à son peuple, aux églises, et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises l'ont chassé, l'ont mis dehors. Et c'est terrible. Et nous avons dans notre génération plus de 200, mes amis, Bibles différentes, traductions différentes. Notre génération est la génération la plus, mes amis, bénie. En matière de la connaissance des traductions juste en français, il y en a une centaine. Il y en a tellement. Plus on travaille, plus on découvre qu'il y a plusieurs Bibles qui ont été traduites, tout ça. En anglais, n'en parlons pas. En allemand, n'en parlons pas. Tout ça, on retrouve des écrits qui étaient cachés, comme les écrits de Qumran, tout ça. Donc, notre génération a reçu connaissance. Nous avons des grandes universités bibliques, nous avons des grandes écoles bibliques, nous avons, mes amis, des dictionnaires bibliques, on a des concordances bibliques, tout ça. On a aussi tellement, on est tellement garni, tellement béni que Dieu, pour nous donner la connaissance, a permis aussi que l'archéologie biblique soit mise en place pour confirmer la véracité de la parole de Dieu. Alléluia, Saint-Florent. Gloire à Dieu, c'est pas facile le sommeil. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait au verset 20, 3-20, Apocalypse 3-20,
Est-ce qu'on peut tous ensemble le lire? 1, 2, 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... Dieu me dit ceci. Après avoir donné les Écritures, je viens maintenant sous la forme de la parole vivante, la parole révélée, la parole comme là, les prédicateurs, ceux et celles qui sont appelés à aller crier. Et Dieu maintenant vient par la parole, comme on le fait ici et là depuis des années, comme Dieu l'a fait avec ceux qui nous ont précédés, comme il l'a fait avec Charles Finney, John Wesley, comme il a fait avec mes amis Calvin, comme il a fait avec Luther, comme il a fait avec Simon Kimbangu, comme il a fait avec d'autres serviteurs et servantes qu'il a envoyés à chaque fois que les églises sombraient. Ces hommes et ces femmes venaient avec le message approprié, avec le message du moment. Qu'est-ce que Dieu décrète au ciel actuellement? Quel est le message approprié aujourd'hui? Dieu, depuis le ciel, parle. Vous ne pensez pas que chez les baptistes, il y a des grands enseignants? Il y a des grands enseignants. Vous ne pensez pas que chez les pentecôtistes, il y a des grands docteurs de la parole? Mes amis, détrompez-vous. Il y a des qui sont très calés, qui parlent couramment l'hébreu, tout ça là. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, mes amis, ils sont en train d'encourager le mariage des homosexuels. Vous voyez, mes amis, il y a ces gens-là, mes amis, il y en a qui sont véritablement appelés par Dieu. Vous voyez, maintenant il faut le message du temps pour les réveiller. Vous voyez, frère? Et c'est pour cela que Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, il n'a pas dit si une église, il a dit si quelqu'un entend ma voix, il est question, après avoir lu, il est question maintenant d'entendre Dieu te parler. Le problème, c'est la Shema Israël. Écoute Israël, Dieu n'a pas changé. C'est quoi le message d'aujourd'hui, frère? C'est quoi le message? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est magnifique. Il envoie les lettres. Il envoie les messagers. Et à la fin, il dit, je viens moi-même, et je parle. Si quelqu'un entend. Frère, je vais vous dire une chose. Moi, comme vous savez, j'étais entouré. Hein. J'avais plus de 100 prédicateurs autour de moi. Je croyais servir Dieu. Je croyais véritablement être un grand pasteur, dirigeant mon église à l'époque, mon église. Quoique je ne touchais pas à l'argent du Seigneur, on prêchait la sanctification, mais je croyais servir le Seigneur étant pasteur. Et quand Dieu est venu et qu'il m'a parlé, ce n'est pas un homme, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit ça. Il m'a dit, suis-moi. Comme le frère qui disait, un pasteur qui est ici, qui vient d'Allemagne, qui me disait, il dirige cette assemblée et Dieu lui dit de passer à autre chose. Je rigolais, c'est ça. Dieu lui disait en songe, il faut porter un autre vêtement. C'est ça en fait, c'est Dieu le sort. Vous voyez, les enfants de Dieu entendent. C'est pour ça que vous allez voir que nous sommes dans une génération où les vrais enfants de Dieu reçoivent des songes de la part du Seigneur, reçoivent des songes pendant qu'ils dorment et Dieu leur parle. Le message qu'il a décrété. Vous allez voir, quand ces enfants de Dieu entendent ce son-là, entendent le son du chauffard, ils se disent, non, je laisse tout ce que j'ai fait hier. Je laisse ce fonctionnement. Je veux entrer dans autre chose. Et vous ne pouvez pas les empêcher de suivre le Seigneur. C'est fini. Il y a des pasteurs qui disent, non, les chrétiens deviennent rebelles parce qu'ils entendent ce message. Non, le problème, c'est que les vrais enfants de Dieu, ils sont réveillés. C'est un message qui vient à minuit. Et on n'est pas les seuls à le prêcher, de plus en plus de frères et sœurs ici et là. C'est le message qui vient au temps approprié. Nous sommes à minuit dans l'horloge de Dieu. Frère, et Dieu est en train de parler. Les personnes qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas bouger, ils vont rater l'enlèvement. Ils vont rater. On n'a pas de jour exact, mais je vous dis de la part du Seigneur que le maître est à la porte. Il est plus à la porte qu'on le croyait avant. Je vous assure.
C'est pour cela qu'il a fait faire ce travail-là, chrétien. Nous sommes vos frères, je suis votre frère. Je suis incapable d'entreprendre un tel travail. Incapable. Nous sommes incapables. Peut-être il y en a parce qu'ils sont dedans, je vous dirais entre guillemets, ils sont dans le message de la vérité, le retour à la parole, tout ça au Seigneur, l'évangile tout simplement. Ils ne se rendent pas compte de ce travail. Ils peuvent même aller négliger ce travail. Peut-être des générations qui viendront. Et quand vous voyez Dieu demander aux gens de faire un travail et qu'il finance en un temps aussi encore, c'est qu'il est en train de parler, si quelqu'un entend la voix. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si quelqu'un, il n'a pas dit si un couple entend ma voix. Non. Non. Quand l'autre est sorti, il est sorti, sa femme n'a pas voulu le suivre. Mais l'autre a poursuivi son chemin. Le message actuel. Mes amis, c'est un message d'abord individuel. D'accord? Chacun le reçoit dans son cœur et les gens sont en train de sortir. Il y a des jeunes frères qui sont avec nous, qui dirigent une assemblée, qui dirigeaient une des assemblées depuis des années, où l'on voit quand même la main de Dieu. Ils ont entendu ce message de la part du Seigneur, Dieu leur a parlé, ils ont rassemblé les frères et sœurs, ils leur ont dit, on passe à autre chose. Et ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, les gens pleuraient. Et ils me disaient, j'ai eu peur, j'ai réalisé à quel point les gens étaient attachés à nous, idolâtres. Une maman, une femme disait, tu es mon pasteur, tout ça. Les gens pleuraient comme si les frères étaient morts, comme s'ils avaient quitté la France. Tout simplement le fait de dire que nous voulons passer à autre chose. Vous vous rendez compte à quel point, mes amis, beaucoup entendent la voix mais ne veulent pas la suivre. Le Seigneur est sorti des assemblées. Le Seigneur est sorti même des bâtiments d'église, même des maisons d'église. Croyez-moi. Est sorti. Même, je dirais, dans beaucoup d'endroits, il n'a jamais été. Non. C'est dur de parler comme ça, les gens vont dire, c'est dur. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est là, quelque part? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est quelque part? Quand venez vous voir pour confesser eux-mêmes, vous allez commencer à vous rendre compte que Dieu est là. Quand vous allez commencer à voir des gens venir et dire, je veux le baptême aujourd'hui. Je suis dans le péché. Quand vous allez commencer à voir des frères qui étaient attachés à leurs coutumes et traditions, commencer à renoncer à ces choses, sans forcer. Là, oui. Quand vous allez commencer à voir des gens venir et dire, voilà, l'argent que Dieu m'a donné, je viens pour la mission. Là, oui. Quand vous allez commencer à voir des gens, des anciens, dire, aujourd'hui, je ne veux plus pas tergiverser, je veux la vérité jusqu'au bout. Je ne veux plus de tradition, de coutume. Là, Dieu commence à toucher les cœurs. Il n'y a plus Dieu il n'y a plus Dieu, c'est fini, c'est les émotions. Il n'y a plus Dieu, c'est fini ça. Dieu dit, je frappe, j'entrerai. Si quelqu'un entend ma voix, voyez, on entend la voix et on ouvre la porte. On ne peut pas ouvrir la porte si on n'a pas entendu la voix. Il faut entendre avant d'ouvrir. Parce qu'ouvrir, c'est compliqué parce que nous sommes fermés. Hein. Vous savez quoi? On est là, on veut se protéger soi-disant. On est au milieu, on ferme la porte. Ferme la porte. Non, je ne vais pas changer. Non, moi. Ferme la porte. Et celui qui entend va prendre le risque. Celui qui entend la voix de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, on connaît ce passage, vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu dit au jour d'aujourd'hui? Oh chrétien, ce n'est pas l'heure de dire aux gens, on va prendre un plus grand bâtiment pour remplir le monde là-dedans, pour le remplir du monde. Non, c'est fini ça.
C'est fini. L'enjeu est tellement grand. Dieu veut que ce message, que l'évangile atteigne des nations. Dieu ne veut pas que les églises s'enferment. Non. Dieu n'a jamais voulu de cela. L'homme impie est déjà là. D'accord? On est dans le gouvernement mondial. Regardez l'association des pasteurs, comment les gens sont associés. Vous avez vu chez vous en Allemagne là-bas? Mais c'est terrible, partout. Ce monsieur qui se dit apôtre, qui est dans l'adultère, dans l'impudicité. Vous avez vu même des pasteurs qui ne sont pas forcément dans l'adultère, mais qui sont dans son association. Voilà. C'est ça, Babylone. Comment, qu'est-ce qu'on doit encore dire pour que les gens comprennent cela? Vous avez vu des gens aujourd'hui qui sont sur des affiches, même des gens qui étaient chez nous. Affiche, programme, service des miracles. Ils savent à l'avance comment Dieu va se glorifier. Vous voyez que c'est la fin. Vrai ou faux? C'est la fin. Alors, quel message, quel temps, quel message, vous, dirigeants? Quand le Seigneur nous a fait faire ce travail, il y a des choses qu'on découvre, des choses qu'on a découvertes. On se dit, mais c'est terrible, Seigneur. C'est terrible. Mais c'est terrible. Quand on prend Jean 8, 24, le Seigneur dit à la femme, il dit, si vous ne croyez pas que je suis, même Martin est venu, Martin a rajouté, si vous ne croyez pas que, il a rajouté, si vous ne croyez pas, il a rajouté, au lieu de dire, si vous ne croyez pas que je suis, lui, il a rajouté, si vous ne croyez pas que je suis l'envoyé de Dieu. Il a rajouté, l'envoyé de Dieu. Vous vous rendez compte? Martin. Pour faire propre en français. Si vous ne croyez pas, il a rajouté, je suis l'envoyé. Donc, l'envoyé de Dieu. Ça a faussé quelque chose de très capital. Là où Jésus disait, si vous ne croyez pas que je suis. Second a rajouté, si vous ne croyez pas, il a rajouté ce. Et on retrouve ça dans beaucoup d'endroits. On se dit, Seigneur, je révèle à mon peuple mon nom. Je suis Yahweh. Et on rajoute des choses pour faire beau, plus beau en français. Il dit à la femme samaritaine, je suis moi qui te parle. C'est Yahweh. Et on rajoute le. Je le suis. Mais tu as beaucoup de... Il faut... Vous savez quoi? Le message du temps, le message d'aujourd'hui, là, c'est quoi? Ce n'est plus, je ne sais pas quoi, la puissance. C'est les gens doivent expérimenter Jésus-Christ, doivent rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas le Jésus là qui ne fait rien. Je ne parle pas de ce Jésus. Je parle de Jésus qui, de la Bible. Hein. Et quand il passe quelque part, il y a des choses qui se passent. Vous voyez? Je ne parle touché par Jésus et tu restes enfermé 3-4 ans dans un bâtiment. Non, arrêtez ça, mes amis là. Un apôtre ne reste pas 4 ans dans un bâtiment. Ce n'est pas un apôtre, c'est un voleur, c'est un gourou. C'est qui un apôtre? On va clarifier les choses, après on va prier. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on va finir bientôt. Là. Un apôtre. Vous savez qui c'est un apôtre? Il a établi premièrement les apôtres. Pourquoi? Un apôtre est un pionnier. C'est quelqu'un qui ouvre la porte. C'est quelqu'un qui fraye le chemin. C'est un homme qui influence positivement les gens. C'est quelqu'un qui montre le chemin. C'est quelqu'un qui va dans une forêt où il n'y a pas de route, il n'y a pas de sillon. Il trace la route. C'est un défenseur de la saine doctrine. Un apôtre? Vous n'allez pas le voir dans une association de pasteurs. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas une association de pasteurs. Non, ce n'est pas ça. On échange, on prie les uns pour les autres. Chacun repart dans son champ.
C'est ça. Un prophète, c'est qui? Un prophète? Oh, mes amis. Attendez. Un apôtre, quand il arrive dans une ville, tous les faux pasteurs tremblent. C'est pas un impudu qui court après les femmes d'autrui. Comme je vois dans le Mans, oui, c'est des apôtres. Quel apôtre ici, là? Je ne vois pas d'apôtre ici en France. Quel apôtre, là, mes amis, là? En Allemagne, là-bas, chez les Africains, je ne vois pas d'apôtres. Vos apôtres là-bas, là, ce sont des charlatans, ce n'est pas des apôtres, ça. Paul dit, la Bible dit dans Actes, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Là où Jésus est révélé, les apôtres authentiques sont suscités, frères et sœurs. C'est pour cela que nous disons qu'hier on a fait des erreurs. Il faut rectifier les choses. Que les apôtres d'hier redeviennent des anciens, redeviennent des diacres. Nous devons rattraper nos erreurs. Nous devons restaurer les choses. Alléluia! C'est important. Paul dit, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Voilà. Il faut une réforme. Il faut que l'ordre revienne dans nos pays. Il faut que nos nations sachent qu'il y a des églises de Jésus. Il y a des hommes et des femmes de Dieu. L'heure est arrivée. Au nom de Yeshua. La Bible nous dit dans le prophète 11, il y a deux prophètes qui font trembler, qui feront trembler la terre entière. Un prophète, quand il parle, c'est la terre qui tremble. Homme de Dieu, ta venue annonce telle quelque chose de bon. Samuel arrive à Bethléem, les anciens qui étaient devenus des gourous. Quand Samuel est arrivé, ils ont dit trembler. Un prophète, quand il vient avec le ainsi dit Yahweh. Il parle avec le temps. Oh, prophète ivoirien, quel prophète ivoirien ici là? Des prophètes qui sont avec les autres prophètes là. Ça, c'est pas. Vous avez vu Élie dans une association des prophètes? Jérémie était solitaire. Esaïe était solitaire. Élie était solitaire. Les prophètes sont des hommes et des femmes solitaires. La prophétesse Hulda était seule dans son coin. Elle parlait de la part de Dieu. Il est temps que l'ordre revienne. Moi-même, j'enlève le titre d'apôtre là. Je suis frère. Il faut que l'on crie. Il faut que tout le monde revienne là. Nous devons, frère, casser tout ce qui a été mal construit. Vas-y. Alléluia! Il est l'heure que l'ordre revienne. Un apôtre qui fait de maison en maison pour aller tromper les gens, pour aller commencer à casser les églises, pour commencer une œuvre. Un apôtre, quand il arrive dans une ville, ce sont des gens qui accourent pour recevoir la parole. Une fois qu'ils ont été formés, les églises naissent naturellement, frères et sœurs. Et c'est des hommes qui envoient des missionnaires, qui mandatent les missionnaires. Un apôtre qui n'envoie jamais les missionnaires qui partent eux-mêmes en mission. Ils ont tellement l'avion qu'ils connaissent tous les avions. Ils montrent leur passeport avec les visas dessus. C'est pas ça. Voilà. Alléluia! Un apôtre, vous n'allez pas le voir sur Facebook avec une photo de sa femme apôtresse. C'est pas ça, un apôtre, frère de sang. Vous avez vu la femme de Pierre à quel endroit? Vous avez vu la femme de Jacques à quel endroit? Vous avez vu, il faut que l'ordre revienne. Vous allez enlever vos titres vous-même. C'est pas le Seigneur. Vous allez prendre ces titres, vous allez mettre ça sur les. Là où on met les manteaux là, vous allez déposer ça calmement là. Qu'on redevienne simple. Pour pouvoir travailler correctement. Dieu parle. Hein? Dieu, depuis le ciel, Dieu parle. Là, je vous dis, je vois les anges debout au ciel. Je vois la trompette retentir. Je
des apôtres que Dieu va susciter, mes amis, là. Ils vont aller dans les villes, ils vont aller fermer des bâtiments de faux prophètes, là. Ils vont arriver, ils vont fermer, ils vont aller aux Antilles, ils vont proclamer. Je ferme cette assemblée. Je ferme cette assemblée. Oh, mes amis, un évangéliste. Attendez, frères et sœurs. Philippe arrive à la Samarie, Simon le magicien. Frère, celui qui étonnait les gens, lui-même était étonné par un évangéliste. Vous savez, les satanistes devant les anges ne tiennent pas. Évangéliste, tu fais un séminaire 500 euros, évangéliste, tu n'es plus un évangéliste, tu es un commerçant. Un évangéliste dit aux autres que ton argent périsse avec toi. Alléluia! Ah, je vous dis, Dieu va revêtir des gens avec des manteaux tellement puissants que ces hommes et ces femmes n'auront pas le choix que de dire tout ce que Dieu va dire. Un berger, non. Dieu pleure, Dieu souffre à cause de ces âmes qui sont... Il y a le sang qui coule dans les assemblées. Il y a son peuple qui a été gorgé. Ses enfants sont devenus les proies des charlatans, les proies des faux. Et Dieu, depuis le ciel, regarde. Qui sont ceux qui peuvent se lever et parler en tant qu'apôtres? Dieu pleure. Vous avez vu ce nombre de femmes qui sont violées par des pasteurs? Vous avez vu ce nombre de frères, des couples qui sont brisés? Vous voyez ce nombre de jeunes qui sont détournés? Vous avez vu ce nombre d'adorateurs qu'on encourage à adorer même les hommes? Vous avez vu le nombre de prophètes que Dieu a suscités? Peut-être que des hommes s'agenouillent devant eux maintenant aujourd'hui. On leur met le tapis rouge comme horreur aujourd'hui, ça me fait pleurer. Comment horreur aurait pu tomber si bas? Tapis rouge. Oh non, ça c'est pas un prophète. Un prophète de Yahweh. Moïse a refusé la gloire de l'Égypte. Prions pour cet homme, mes amis, que Dieu le ramène à la raison. Si c'est vraiment lui qui l'a appelé, ça fait mal. Oh Dieu, un prophète authentique. Les faux pasteurs ne peuvent pas le supporter. Tout le monde se lève pour le tuer. Tuons-le avec la langue, comme avec Jérémie. Voilà, parce que la Bible nous dit que Amos, on disait d'Amos que ses paroles dérangeaient. Le pays ne pouvait plus supporter sa parole. La parole d'un prophète dérange les nations. Que Dieu nous sauve. Dieu souffre. Les gens sont accrochés plus à leurs assemblées. Au lieu de s'accrocher au Seigneur pour aller répondre à l'appel. Il y a eu un appel urgent en ce moment-là. Il y a eu une urgence, mes amis. Là. Il y a eu une urgence parce que des millions d'âmes vont en enfer. Il y a eu une urgence au jour d'aujourd'hui. Il y a eu une urgence. Les faux pasteurs s'associent de plus en plus. Ils s'unissent de plus en plus. Parce qu'ils ont tous les intérêts communs. Mais les enfants de Dieu, que font-ils? Les véritables envoyés, que font-ils? Les véritables apôtres, que font-ils? Beaucoup sont encore dans les traditions, les coutumes d'hommes. Il est l'heure de sortir de là. Il est l'heure. Je dis au Seigneur, pour l'amour de ton royaume, pour ton amour, pour l'amour des âmes, je préfère qu'on m'insulte, je préfère être seul, je préfère être lapidé, mais je ne vendrai jamais la vérité. Je préfère ton amitié que l'amitié des hommes. Je ne lâcherai jamais ta vérité. Je n'abandonnerai jamais la parole, jamais l'évangile, jamais, jamais. Si tu aimes Dieu, c'est le temps de prendre possession.
Si tu aimes ton Dieu, pasteur, prophète, c'est le temps de se... Rappelle-toi quand Dieu t'a touché. Rappelle-toi quand tu t'es converti. Tu n'étais pas encore pasteur. Tu étais zélé. Tu craignais Dieu. Tu priais, tu jeûnais. Tu lisais la parole de Dieu. Depuis que tu es devenu pasteur, à cause des gens qui t'entourent, tu commences à changer de langage. Souviens-toi, ma soeur, comment tu priais avant ton mariage. Souviens-toi, Dieu te dit. Souviens-toi, mon fils, avant ta conversion, quand tu es, j'étais touché. Souviens-toi comment tu me suivais partout. Souviens-toi. L'heure est arrivée. Plus de sentiments. Il y en a qui vont devoir couper leur, abandonner les amis de longue date. Plus de sentiments. Il y a une urgence. Dieu donne des chauffards parce qu'il est à la porte. Et il envoie des messagers. Il envoie des messagères pour aller parler, pour aller crier. Il envoie. Il sépare même des familles. Il sépare des enfants de leur père et inversement. Il sépare des frères et sœurs. Il sépare et il met à part les uns les autres pour son œuvre. Tu es là. Tu pleures, tu gémis, tu souffres. Tu ne sais plus quoi faire. Dieu dit, mon enfant, je veux que tu passes à autre chose. Je veux que tu passes à autre chose. Traverse cette rivière, traverse-la et suis-moi. Dieu pleure. Quand Dieu voit tous ces pasteurs à Paris, j'en ai rencontré un la semaine dernière. Je lui disais, toi qui te dis, est dans la vérité, comment tu peux te retrouver dans cette situation des pasteurs? Je t'ai vu sur YouTube. Là où on ordonne ce pasteur comme étant président de tous les pasteurs congolais en France. Et tu étais là. Oh non, on m'a trompé. Non, c'est l'hypocrisie. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez l'hypocrisie. Il faut qu'on arrête de boitiller. Il est l'heure de prendre position définitivement. Il est l'heure de savoir avec qui marcher. Vous aimez Dieu? C'est la dernière occasion que Dieu nous donne pour passer à autre chose. C'est la dernière occasion, mes amis, la dernière occasion. Quand tu t'es converti, mon frère, tu ne connaissais pas les gens qui t'entourent aujourd'hui. Souviens-toi. Ne laisse aucune culture t'influencer. Ne laisse aucun ami dans ton assemblée t'influencer. L'heure est arrivée. Dieu te dit, il est temps que tu prennes position maintenant pour moi. Il est l'heure maintenant que tu dises les choses que je te montrais. Il est l'heure maintenant que tu ouvres ta bouche. Il est l'heure maintenant que tu parles de ma part. Il est l'heure maintenant que tu te lèves pour moi. Il est l'heure. Il est l'heure. Il y en a pour parler, Dieu va les sortir des assemblées. Pour qu'ils aient la liberté de dire les choses, de parler de la part du Seigneur. Dieu va les sortir de ces influences-là pour pouvoir parler de sa part. Il frappe à la porte. Il frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur, de ton âme. Il t'a appelé pour des choses beaucoup plus grandes. Que tu le penses, que tu ne le crois. On a voulu changer la vision que le Seigneur t'a donnée. On a voulu t'influencer négativement. On a voulu que tu changes de langage. Tu avais le feu quand tu t'es converti. Tu vas dans telle assemblée, dans cette assemblée. On a commencé à te modeler. On a commencé à te faire conformer à cette assemblée. On a commencé à te mettre dans un moule pour que tu aies le même langage que tout le monde. Dieu dit, il est l'heure maintenant. Il est l'heure, il est temps. Et tu le sais au fond de toi. Tu le sais. T'as vu l'Europe? Les portes de l'Europe sont ouvertes. Les portes des nations sont ouvertes. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure. Que tu parles selon la vérité. Que tu dises la vérité. Que tu dises les choses devant les gens. Dieu dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler. Oui. Vous savez le nombre d'amis qu'on a perdus. Tu as travaillé pendant quelques temps comme pasteur. Alors que Dieu t'appelle à la fonction apostolique, Dieu t'appelle pour, il te prépare pour aller parler. Et toi, tu détruis les choses sans te rendre compte. Il est l'heure maintenant que tu sortes de l'hypocrisie. Que tu vives pleinement la vérité. Tu sais pourquoi l'onction est bloquée dans ta vie? C'est parce que tu as peur. Tu as peur des problèmes. Si tu as peur de l'homme, si tu as peur des problèmes, eh bien je te ferai trembler. Je te dis. Il est l'heure.
Voilà pourquoi il te parle beaucoup en songe. Voilà pourquoi il te donne des songes, des visions. Parce que tu es Élie. Tu as l'autorité d'Élie pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Tu t'appelles comme Jean-Baptiste pour pouvoir parler de sa part. Il y a des âmes qui doivent être arrachées de l'enfer. Oui. L'affrontement, tu auras l'affrontement. Dans les prochains jours, tu seras de plus en plus affronté par les faux. Tu seras de plus en plus exposé, de plus en plus au front. De plus en plus. L'onction que Dieu mettra de plus en plus sur toi, cette onction va provoquer des clashs autour de toi. Cette onction va provoquer des conflits autour de toi. Parce que c'est l'onction de sainteté qui provoque cela. L'onction est sainte. Plus Dieu te oint de son onction sainte, plus tu auras d'ennemis, plus tu auras de... On va te rejeter. Parce que l'onction n'aime pas les ténèbres. L'onction n'aime pas les ténèbres. L'onction de sainteté t'imposera la solitude. Tu seras une personne solitaire. Oui. Sur la connaissance, tu as médité beaucoup la parole. Dieu te parle, il te parle, il parle maintenant à ton cœur. Tu as réalisé que la mort te côtoie tout le temps, que l'on peut mourir à tout moment. Alors le temps qui te reste à vivre maintenant, Dieu dit, utilise-le pour me servir véritablement. Dieu veut toucher beaucoup d'Européens. Beaucoup d'Européens sont fatigués. Beaucoup ne savent pas vers qui se tourner. Et Dieu a mis son onction sur toi. Dieu a mis sa parole dans ton cœur, dans ton âme. Et Dieu, justement, veut que tu te lèves pour lui pouvoir parler. Parce qu'il veut toucher ces hommes et ces femmes. Comme Ézéchiel, Dieu te sort de ta communauté. Comme Ézéchiel, Dieu te sort de ta nation. Comme Jérémie, Dieu te sort de là. Tu dois t'adresser à un peuple. Oui, le prix, tu vas de plus en plus le payer. Le prix de l'onction. La consécration. Il y a un peuple qui est fatigué. Et sur toi, Dieu a posé sa main. Sur toi, Dieu a posé sa main. Tu sais pourquoi il t'a dit de parler aux Allemands? Parce qu'il a posé sa main sur ta vie. Parce qu'il veut les toucher justement. Parce qu'il veut les changer justement. Le problème, c'est la compréhension que tu dois avoir au jour d'aujourd'hui. Saisir et comprendre que oui, Dieu veut faire de toi ce vase. Ce vase qui contient l'eau pure. L'eau pure. L'eau pure. Beaucoup d'Européens sont comme des personnes, comme des orphelins. Comme des orphelins. Beaucoup. Beaucoup. Et même en Afrique, les gens sont comme des orphelins. Des pères dans la foi ne se comportent plus comme des pères dans la foi. Et il y a une nouvelle génération d'hommes et femmes que Dieu est en train de susciter, de préparer. D'hommes et femmes qui comprennent qu'ils n'ont plus rien à perdre, qui ont compris qu'ils vont, n'est-ce pas, devoir sacrifier leur vie pour la cause du royaume de Dieu, pour la cause de l'évangile, des hommes et des femmes qui sont prêts à tout, qui pleurent, qui gémissent, qui souffrent, qui voient le péché ici et là, qui pleurent comme des Jérémie, comme des Michée, qui sont seuls contre tous, mais ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Tu sais pourquoi tu t'es beaucoup blessé? Parce que Dieu voulait te nettoyer. Il voulait t'épurer. Il voulait te sanctifier. Il voulait te consumer tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Et aujourd'hui, il purifie tes lèvres pour pouvoir parler. Il y a des pasteurs qui voudraient confesser la sorcellerie, confesser l'adultère, mais ils ne savent pas comment. Ils ne voient pas des gens avec une onction pure pouvoir prier pour eux. Alors ils restent dans leur péché et ils souffrent et ils pleurent. Et il se trouve que toi, Dieu t'appelle justement. Te prépare pour ces choses-là.
parce que Dieu veut libérer tous ces gens. Frères et sœurs, il nous reste quelques secondes seulement avant le retour du Mashiach. C'est fini. On n'a plus de temps. Dieu dit, ne laisse pas les choses de ce monde t'éloigner de moi. Sache que tu es fragile. Ne laisse pas les biens de ce monde t'éloigner de moi. Il y a une soif. Ne voyez-vous pas qu'il y a une soif? Des chrétiens qui viennent de loin pour entendre la parole que vous annoncez. Les gens ont soif. Les gens ont soif. Père, nous voici devant ton trône. Guéris nos cœurs. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Nous voulons nous repentir devant ton trône, Père. Papa, sauve-nous. Les nations t'ont rejeté. Les nations bafouent ta loi. Pour tes églises, Seigneur, pour les assemblées. Nous voulons faire le bilan sur nous-mêmes. Oh Seigneur, quand nous lisons la Bible, dans les actes des apôtres, nous voyons le vent de l'esprit souffler. L'élu de mon cœur, c'est toi, Jésus. Oh Jésus, sauve-nous. Besoin de toi, oh Jésus, Seigneur. Visite ce continent, Dieu d'Israël. Seigneur, mon Dieu, ta grâce, Seigneur, mon Dieu, Papa, sur les rangs. Délivre oh, nos assemblées, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, oh Papa. Oh Père de gloire. Seigneur, mon Dieu, ta grâce, oh Jésus.
Seigneur, ta grâce, mon Dieu, ta grâce, oh, Père. Oh Jésus. Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, oh, Père. Jésus. Sans toi, Père, nous ne sommes rien, oh Papa. Oh, Père. Sans toi, Jésus, Papa, nous ne sommes rien, oh, Père. Oh Jésus. Seigneur, besoin de toi, Seigneur, oh Père. Papa, ta grâce, oh mon Dieu. Dans cette Seigneur, nation, oh Jésus. Seigneur, rachète-nous. Enlève, Seigneur, mon Dieu, restaure, Seigneur, oh Père. Au nom de Yeshua. Seigneur, oh Jésus. Au nom de Yeshua. Là où nous sommes ancrés, Seigneur, dans ces choses, Papa, enlève, oh mon Dieu. Seigneur, donne-nous ta nature, oh Père. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, ta nature, oh Jésus. Que nous te ressemblions, Seigneur, de plus en plus, Jésus. Seigneur, dans toutes choses, oh Papa. Seigneur, dans toutes choses, oh Jésus. T'exposons nos problèmes, Seigneur. T'exposons nos problèmes, Papa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Papa Yabana. Au nom de Yeshua. Yahweh Tosana Posana Yo Yesu. Yahweh Tosana Posana Yo Yesu. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, besoin de toi, oh Jésus. Seigneur, dans nos vies, oh Papa. Seigneur, pour cette nation, oh Seigneur. Seigneur, oh Papa, c'est toi, Seigneur, mon Dieu. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui donne, Seigneur, mon Dieu, la force, les capacités, oh Jésus, de moi-même, Seigneur, de nous-mêmes, Papa, nous ne pouvons pas, Seigneur. Papa, ta grâce, oh mon Dieu. Au nom de Yeshua. Seigneur, je ne suis rien, oh Papa. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, guéris. Papa, ta grâce. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Au nom de Yeshua. Au Père. Au nom de Yeshua. Glorifie ta nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Guide nos pas, Papa. Guide nos pas, Seigneur. Père, au nom de Jésus. 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 Nous renversons les liens. Nous renversons les chaînes. Nous brisons le péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Marcher avec toi, Seigneur. Jesus. Jesus. Te ressembler encore, Yahweh. Jesus. Oh, brisons les liens, Seigneur, les coutumes, les traditions. Renonçons à ces choses. Sors-nous, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Papa, qui nous éloigne de toi, Jésus. Au nom Seigneur, de Jésus. Moi, Papa, de ces choses, Père, qui me éloigne de toi, Jésus. Oh, qui m'empêche, Papa, de t'adorer, Seigneur mon Dieu, comme tu le désires, oh Jésus. Oh, Seigneur. Je Seigneur, veux, sauve. Mon Dieu, Seigneur, sauve. Réjouir Seigneur, ton cœur, sauve. Oh, Papa. Seigneur, sauve. Sauve, Seigneur mon Dieu, sauve, Papa, les cœurs. Sauve les sauve vies, de oh, Seigneur. Jésus, Papa. Les vies, Papa, Seigneur, les âmes ont besoin de toi, Jésus. Sauve de toi, vie, Seigneur, Père. De toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus, sauve, Papa. Seigneur, ta nous te demandons pardon à cause de nos traditions, nos coutumes, oh, Jésus, qui éloignent les Européens. Nous prions, Seigneur mon Dieu, Seigneur, de nous aider afin de pouvoir leur partager ta parole, Seigneur mon Dieu. Les nations, les Chinois, les Arabes, les nations, les Africains, Seigneur, sauve-nous. Guide nos pas, Seigneur mon Dieu. Père, au nom de Yeshua.